Les jeunes lisent-ils? Au 8e siècle avant Jésus-Christ, déjà, Hésiode, qui est un poète grec, se plaignait de cette jeunesse incapable de concentration, totalement dépravée, en disant que si elle devait diriger la cité plus tard, il la quitterait. Donc voilà, c'est une illusion constante, la jeunesse est moins bien. En fait, les jeunes lisent. Ils lisent à plus de 80% pour leur plaisir, ils lisent en moyenne 13 à 15 livres par an, ils lisent plus de 5 heures par semaine, ils adorent lire avant de se coucher, ils ont des pratiques de lecture très vastes, très variées, très diverses. Notamment, ils privilégient tous les supports, le livre papier, le livre numérique, le livre audio. Ils aiment la science-fiction, la fantasy, les littératures de l'imaginaire, la BD, le manga, les classiques. Ils n'ont pas de frein dans la lecture, pas de frein dans leur approche de la lecture. Ce qui se passe en revanche, c'est que les loisirs ont explosé. C'est-à-dire qu'avant, un jeune, dans les années 60, 70, 80, il avait la télévision, le cinéma, éventuellement le théâtre pour les plus privilégiés. Et aujourd'hui, il a découvert Internet et il est allé voir s'il ne serait pas un peu le jeune du 21e siècle dessus. Et donc Internet est une vraie concurrence, une grosse concurrence. C'est plus de 15 heures sur les réseaux sociaux, plus de 15 heures sur les portables. Donc en fait, le livre n'arrive plus qu'en 8e ou 9e position des loisirs préférés, mais ça reste le loisir absolument préféré et privilégié au moment du coucher. Ce qui dit énormément sur ce que doivent faire les parents. Lisez des livres aux enfants, lisez-leur des livres tard, lisez-leur des livres même quand ils savent lire, parce que c'est comme ça qu'on crée des lecteurs. Voilà, et ensuite, que peut-on dire de cette jeunesse si ce n'est que elle est comme toutes les jeunesses, elle est rebelle à l'autorité, elle est diverse, elle est protéiforme, elle est totalement insaisissable. Et donc quand on fait une fête comme partir en livre, c'est facile d'avoir les enfants avec les familles, de les faire venir, etc. Et puis c'est toujours beaucoup plus difficile de faire les adolescents. Et c'est pour ça que partir en livre, c'est quatre événements spécifiquement dédiés aux adolescents qui vont être testés cette année à Rouen, à Saint-Dié-des-Vosges, à Bordeaux, à Gruissan, voilà, pour voir si ces enfants, ces adolescents en tous les cas, sont portés vers le livre quand on crée des formats spécifiquement pour eux. Ce que nous croyons, nous, au Centre national du livre, mais qui n'est pas certain et qui demande à être vérifié sur le terrain. Et donc rendez-vous du 11 au 22 juillet, partout en France. Les événements sont sur www.partir-en-livre.com pour emmener vos enfants et traîner vos adolescents ou les laisser y aller tout seuls, ce qui est beaucoup mieux, à partir en livre, la grande fête de la littérature jeunesse voulue par le ministère de la Culture. Merci.